Hello les marathoniens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit la deuxième partie du tutoriel avec l'intégration des arpèges. Donc, si c'est pas déjà fait, je vous invite à voir la première vidéo, la première partie. Et cette fois-ci, on va voir tout simplement comment intégrer les substitutions dans le 2-5-1. On y va tout de suite. On passe à la deuxième partie de ce tutoriel sur l'intégration des arpèges dans les 2-5-1. Et on va toujours continuer sur le même exemple, à savoir l'exemple d'un 2-5-1 en Do majeur. Donc ça commence par un Ré mineur, Sol 7 et Do majeur 7-9. On va finalement procéder de la même façon que dans la première partie de ce tutoriel, à savoir que sur le Ré, on va jouer Fa. Fa majeur 7. Sur le Sol 7, on va jouer un Si mineur 7 bémol 5. Donc. Et enfin, sur le Do majeur 7, on va jouer le Mi mineur 7. Pareil, vous pouvez prendre un backing track, vous pouvez vous enregistrer par-dessus et jouer simplement ces extensions et du coup ces substitutions pour vous faire bien entendre à chaque fois quelle est la note qui apporte une couleur en plus. Maintenant, on va voir la phrase qu'on a jouée au tout début de la vidéo pour voir comment intégrer finalement ces substitutions dans des phrases. On commence à nouveau par l'arpège, tout bête. Donc de sur Ré mineur de jouer Fa majeur, 7. Ensuite, on joue la gamme finalement. Avec un chromatisme. On atterrit sur la tierce de Sol 7. Et cette fois-ci, on joue tout simplement l'arpège de Ré, de Si mineur 7 bémol 5, pardon. Donc. Puis on joue la gamme à nouveau avec un chromatisme. On arrive sur la neuvième de Do majeur 7 et là on déroule tout simplement l'arpège de Mi mineur 7, mais on rajoute le Fa pour accentuer finalement la résolution sur la tierce. Donc je répète. On commence par l'arpège de Fa majeur 7, puis la gamme avec un chromatisme, tierce, puis l'arpège de Si mineur 7 bémol 5, gamme avec un chromatisme, et là on arrive sur la neuvième de Do majeur 7. On joue donc l'arpège de Mi mineur 7, mais on intègre en plus une note qui fait partie de la gamme donc. Qui permet de rajouter, d'accentuer en fait la résolution vers le mi. On aurait pu faire très bien, on aurait pu très bien faire ça, mais le fait d'avoir ce demi-ton là, ça permet de renforcer à mon sens la résolution. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Ce que je vous recommande, c'est de prendre chacun des accords et de tout simplement jouer la substitution sur l'accord, ça vous permet de bien entendre la couleur à chaque fois, et puis d'intégrer petit à petit des bouts de gamme, peut-être même l'arpège originel, donc par exemple Ré mineur sur Ré mineur 7, tout simplement. Et puis petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir ajouter en fait des substitutions facilement dans vos impros. Essayez aussi ça dans différentes tonalités, bien évidemment, différents endroits du manche. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo très très vite, et puis d'ici là, bossez bien.